Élie Dupuis, toi, hier, t'as réalisé un rêve. Raconte-nous rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Bien, en fait, hier, c'était le 25e anniversaire de mariage de mes parents. Oui. Puis, ben, j'ai eu la chance que Marjo vienne faire un tour. Non, attends, comment ça s'est passé? T'as dit, j'aimerais ça chanter avec Marjo, tu l'as appelée, puis elle a dit oui. Bien, en fait, on se connaissait, je l'avais vue au Téléthon il y a 2 ans. Puis, écoute, c'est tellement de belles chansons, là, que... Puis Marjo, t'as accepté d'emblée. D'aplomb! Je savais qui était Élie oui. Dupuis, ça s'oublie pas, hein? Quelle voix phénoménale, ce petit gars-là! Incroyable! Merci. Piano, comédien, chanteur, il a tout, cet homme! Alors donc, pour notre plus grand plaisir, vous allez chanter pour nous. Oui! OK. Oui, et on va voir d'ailleurs des images derrière de votre rencontre d'hier. Oui, exact! Oui. OK, tes parents, là, ils ont versé une larme? Ben, la réaction. Oui. Ben, la réaction de mon père, c'était vraiment... Il y a comme eu un c'est en général la réaction des pères. Oui, puis après ça, ils arrivent chez eux, puis là, ils se mettent à pleurer. Alors, on va entendre à l'instant, s'il fallait, quelle belle chanson, le petit Élie avec la grande Marjo. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui consolerait mes peines, où trouverais-je la joie? S'il fallait qu'un jour tu t'en ailles loin de moi, moi qui n'aime que toi. S'il fallait qu'un jour d'autres mains te câlinent, je courberais les chines, j'en mourrais. Bonjour, mesdames et messieurs!